l'association depuis à peu près 7 ans. Comme vous savez, donc la mission principale de Maroc, c'est l'accompagnement des jeunes chargeurs d'emploi pour qu'ils puissent trouver un emploi par la suite. Vous savez, la gamine de Hussein. Donc en fait, d'après ma mauvaise expérience ici à la Fondation EFE-Maroc, on a les jeunes rencontrent des difficultés pour intégrer le marché d'emploi. Premièrement, parce qu'ils manquent d'expérience. Deuxièmement, c'est qu'il y a des problèmes de communication ici dans la langue. Comme vous avez dit, sur le Maroc, donc la langue française, c'est comme une langue officielle, mais c'est dans les entretiens, avec les CV, la motivation. Donc on trouve notre cursus académique ne permet pas d'avoir une excellence en matière des langues, donc je trouve vraiment une difficulté pour intégrer le marché d'emploi. Aussi, du point de vue des entreprises, c'est qu'ils nous disent que normalement les jeunes n'ont pas assez de soft skills pour intégrer le marché d'emploi. L'entreprise dit que par exemple, côté technique, ils peuvent agir là, ils peuvent améliorer le côté technique. Mais c'est côté soft skills, c'est la partie que la personne, comment elle va gérer son stress, comment elle va travailler en équipe, comment elle va présenter les problèmes d'entreprise, c'est là où ils trouvent vraiment des difficultés pour gérer d'autres profils. Donc pour les entreprises, il y a des postes, mais il n'y a pas des profils adéquats. Pour les jeunes, il y a des profils, mais normalement, ils n'arrivent pas à accéder au marché d'emploi. Donc nous, et la Fondation Générale avec Marc Galatéria pour faire un bridge entre les entreprises, les besoins des entreprises, et aussi les profils des jeunes fraîchement diplômés. Donc on recense quoi les besoins de l'entreprise, donc on essaie un petit peu de combiner ce cadre-là et faire des formations pour les jeunes, pour les accompagner, pour qu'ils puissent répondre aux besoins du marché. Exactement, comme je disais, c'est l'image du candidat, c'est parmi vraiment, si on prend en considération par exemple des études scientifiques, donc le recruteur il a que entre 10 à 30 secondes pour rater un CV. Donc normalement, la majorité des jeunes, malheureusement, ils prennent des copies-coller des CV de leurs collègues ou de leurs amis, ou bien ils vont servir à avoir un CV à café pour préparer un CV. Normalement, ce qu'on demande aux jeunes, c'est de faire vraiment un CV personnalisé qui reflète exactement l'image de ce candidat. On peut faire vraiment les expériences professionnelles qu'il a passées, son intérêt du candidat, la formation professionnelle, pour se distinguer par rapport aux autres. Et vraiment faire un CV qui démarque le recruteur pour qu'il leur donne au moins une chance pour passer en entretien pour qu'il puisse exprimer ses compétences. Parce que la majorité des jeunes n'arrivent pas à décrocher un entretien et c'est à cause du CV. Nous, on fait des formations vraiment focalisées sur les techniques de recherche d'emploi et principalement sur la rédaction d'un bon CV qui décroche entre le recruteur pour leur donner l'opportunité de passer des entretiens d'embauche. Comme j'ai dit, normalement, les soft skills ou bien le savoir-faire, c'est un élément très important. Les entreprises disent que 80% de leurs besoins, c'est les soft skills. La partie technique, qui est à peu près 20%, ça, l'entreprise peut faire des formations pour le candidat. Le jeune, déjà, il a passé 2 ans, 3 ans au moins dans son domaine de spécialité. Et c'est la partie soft skills, c'est la partie savoir-faire qui manque les jeunes chargeurs d'emploi. Malheureusement, notre système d'éducation ne prépare pas des jeunes sur la partie soft skills. On est très focalisé sur les études, sur les examens, sur vraiment le savoir-faire. Mais les soft skills, c'est une partie oubliée par le système. Honnêtement, pour trouver un emploi, il faut être fort, avoir vraiment les compétences, du savoir-être le maximum pour se distinguer par rapport aux autres et trouver un emploi justement par la suite. Thank you.